Hey, salut à tous les amis sur Gaming. On se retrouve là pour une toute nouvelle vidéo. On est parti. Giro d'Italia, Olbia Tortoli, deuxième étape, les gars. On est parti. Voilà un peu leader. Étape classée pour le sprinter, mais je pense qu'il peut y avoir encore quelques écarts comme l'étape d'hier. On est parti. Enrico Battaglini qui aura peut-être un plus 2, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, on est parti. On se retrouve tout de suite au départ de cette course. A tout de suite. Bonjour à tous. Avis aux rouleurs et aux sprinteurs, c'est une course destinée pour les costauds. De retour, les gars, on est parti dans cette deuxième étape qui risque d'être très dure et qui risque de faire mal aux jambes aussi également. La Lotto Soudal, on va les laisser rouler tranquillement. Ils ont le maillot rose. Deux leaders, donc on va les laisser rouler tranquille. Écoutez, c'est pas nous de le faire. Donc voilà. on est bien. En tout cas, je sais pas qui c'est qui a réalisé les étapes, les décors, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment bien fait. Félicitations à lui. Je sais pas si c'est Benji Nyssen ou quelqu'un d'autre qui l'a fait. Mais on sait qu'il a fait le tuto pour la télécharger. Mais vu que en plus il parle anglais, du coup, je comprends pas trop s'il a dit. Enfin voilà, que s'il a dit que c'était lui qui l'avait fait, peut-être. Je comprends pas grand chose à l'anglais. Enfin, je comprends minimum. Honnêtement, bon, s'il a dit, c'est moi qui l'ai fait. Puis j'ai pas trop écouté, j'ai juste suivi les images. On est parti. Alexis Saramontes qui serait déjà parti en échappée, alors, dans cette étape. Et oh, laissez-nous aller voir l'échappée. Hop, hop, hop. Ah, merde. Fuck. Le rythme est plutôt calme sur cette portion. Les coureurs doivent en garder sous la pédale. Ça promet une belle fin de course. Bizarre que Saramontes soit parti. Bizarre. Ça m'étonne un peu de sa part d'être parti déjà si tôt. Enfin, déjà sur la deuxième étape, je vois pas trop l'intérêt de partir sur la deuxième étape. Écoutez, c'est son choix. Dégage. Ok, de retour. On a plusieurs chutes, hein. On a déjà plusieurs chutes sur cette étape. Hop, attendez, je remets mon casque. Voilà, c'est fait. Mais non, en fait, j'ai regardé le profil et je pense pas qu'il y aura d'écart. À moins vraiment, il y a une équipe qui roule beaucoup plus forte qu'une autre. Et dans la descente, après, à moins des chutes. Ouais, sûrement des chutes, mais après, normalement, ça doit passer. Ben Tanking, ok, Battaglini plus 3, plus un sprint. Pas mal. Il devrait passer avec 76 ballons et 78 ballons, 72 montagnes. Et voilà. Hop, chute, double chute de Ben Tanking. On annonce une chute, il semblerait qu'il s'agisse d'un leader. Force, hein. Le oula, rythme imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. Hubert Dupont, Pozzo Vivo. Ça doit être Hubert Dupont. A mon avis, c'est Hubert Dupont qui est tombé. Non, on a François Bidard ici. François Bidard, il y a un migre. Il mériterait de merde quand même. C'est vu comment il a aidé Bardet cette année à la Volta, l'année dernière. Il mériterait. Non, il a pas aidé Bardet. Vu comment il a aidé Pierre-Roger Latour à la Volta, il mériterait de meilleures notes quand même. Ok, ils sont lâchés la Borale avec Sam Bennett. Mal parti pour eux cette étape. Et Ben Tanking, hein. Ben Tanking forcément deux chutes en deux jours. Ça pique, ça commence à faire vraiment mal aux jambes. On va le mettre en auto, écoutez, on va le faire, il rentrera tout seul à mon avis. On va accélérer de nouveau. Hop, on arrive bientôt dans le grimpeur, hein, pour les premiers, pour les hommes de tête là. Allez, il va arriver dans le grimpeur à mon avis, Alexis Saramontes qui sera le plus costaud. Hein. Je pense qu'il sera le plus costaud. Voilà, on va remonter tranquillement. Sven Toft qui va essayer de lui faire à mon avis. C'est pas trop Quinziato aussi. Ah merde. Je me fais avoir. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Je me fais avoir à chaque fois, j'ai une petite notification Facebook, fait chier, j'ai oublié de les enlever. Et ouais, c'est Saramontes ça qui vient de lâcher Nicolas Bohème. Fonzi qui revient. L'allure est trop élevée. Trop tard. Les jambes sont lourdes, il y a des lâchés.
Ça remonte ainsi, il est parti. Il est parti, 1,5 km, il va finir tranquillement. Et attention, hein, accélère un peu, ça remonte ainsi, il va se faire niquer. Ouais, non, ils ont pas assez de force, les autres, il est temps de se reposer un petit peu. Et ouais. Voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. Le peloton a ralenti. Plus personne ne veut prendre à sa charge la responsabilité de la poursuite. Du coup, on va accélérer de nouveau, parce qu'on n'a rien à voir, nous, après. Et Ben Tankink qui n'arrive pas à revenir, il n'arrive pas à rentrer, Ben Tankink. Hein. Ça, c'est un peu chiant pour lui. Oula, oula, il y a eu des gros chutes. Oh là 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 là, chute dans le peloton. Heureusement, tous les coureurs sont en train de repartir. Ouais, là, c'est tombé fort. Hein. On a vu la grosse chute, là. Encore Sam Bennett. Là, si c'est encore lui, ça doit lui faire mal aux jambes. Hein. Ah ouais, regardez, Laboura qui est en train de remonter. Sam Bennett, il ne l'attend plus, Sam Bennett. Forcément, ça, de nombreuses chutes hein, sur PCM, souvent. Et Ben Tankink, il reviendra pas. Il ne va jamais revenir. Hein. Ah, c'est bon, il est enfin rentré. Allez, là, remonte, garçon. Il faut qu'il remonte, ça, je sais pas, sinon il prend des cassures. Hop. Allez, là on est bien avec Bataglin. On va demander à Steph Clément d'aller chercher le bilan, parce que ces étapes sont très longues hein, sur le Giro. Des étapes très très longues. Du coup, on a souvent besoin d'aller chercher les bilans. Et là ça roule fort. Hein. Là ça roule fort direct d'entrée. Hein. Ils sont pas là pour chercher les problèmes. Hein. Ça va, je cherche pas trop à merde. Bon, au passage, l'échappée a quand même 2,47 d'avance. Et devant, ça commence déjà à accélérer à 17 km du col. Ça accélère déjà à 17 km. Un peu moins maintenant, mais. Regardez, ils sont plus que 4. Ils sont plus que 4 devant, ils sont plus que 2 relayés. C'est que derrière, ça doit faire mal aux cuisses. Hein. Ouais. Regardez, forcément, ils roulent parce que derrière le peloton. Il est très proche le peloton. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Ah, attaque de Zwijntoft. Sarah Montin ce qui va 1 km et voilà. Fonzi lâché. Hop. Et c'est Sarah Montin ce qui va aller chercher ce troisième catégorie qui conforte son maillot bleu de Merz Vimpeur. Darth Zwijntoft qui pour l'instant prend la tête du général. Faut que je pense à enlever les notifications Facebook la prochaine fois. Ben Tankink, hein, c'est pas bien, pas très très bien, pas du tout même. On va bien garder sa position maintenant, on peut pas lui dire d'aller protéger, machin. Et on a lâché, Marcus Wilmans. Il a lâché, il s'est fait avoir au train. Et Wilmans, bizarre. Et derrière, il y a des lâchés partout. Ça doit être chiant hein. pour Buffoni. Je pense pas qu'il va arriver dans les temps hein, à mon avis. Et voilà, va pas. Voilà, malheureusement. Hop. L'échappée du jour Allez. Ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Putain, on les connaît par cœur maintenant. Ces phrases, on les connaît par cœur. Vraiment. Et Bataglin qui est vraiment très bien. Et toi, tu veux. Ouais, non, on va pas mettre de gars rouler, ça sert à rien. On a plus que Sarah Montin tout seul devant. Il n'ira pas loin de toute façon. Il va vite être repris. Bon, et écoutez, je fais une coupure. Je vais couper cette notification Facebook. À tout de suite. Ok, de retour les gars, c'est bon, j'ai enfin coupé les notifications. Le groupe d'échappés vient d'abdiquer. Le peloton ne leur a laissé aucune chance. Oh. On signale qu'une chute vient d'intervenir dans le peloton. Plusieurs coureurs seraient à terre. Barbine et Feli. Et Barbine, c'est pas le leader? Non. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop. Sinon, il va y avoir des cassures. Derrière Wimans qui est lâché, ça fait un peu de temps maintenant qu'il est lâché, mais il reviendra pas. Il ne reviendra pas, mais on va le mettre en automatique, hein, parce qu'il ne faudrait pas trop qu'il se fasse lâcher très très longtemps.
Avec 15 km, il reste on va mettre en fin exactement maintenant. 15 km avant l'arrivée. Je sais pas si on peut se faire un train ou pas, quoi. Parce que je ne saurais pas qui mettre dans le train. C'est ça le truc en fait. On va peut-être commencer par Kaiser. Hop hop hop. Suivi par Steph Clément. Hop. Suivi par Primoz Roglic. Hop. Et suivi enfin par Bataglin. Hop. Je pense que ça peut, c'est un train de rouleur. Du coup après ouais. Après c'est à voir comment ça va se. Comment ça va se faire au fur et à mesure de la course, mais là pour l'instant il est dans la descente. Du coup, le train il va pas pouvoir trop bien se lancer. Mais quand il sera lancé à mon avis, ça sera bon. Encore 10 km à parcourir. Allez, allez Ben. Non c'est pas Ben, Marcus. Allez, hop, les sprinteurs cherchent à se replacer à l'avant du peloton. Nous allons probablement assister à une arrivée groupée. Et je sais pas si ça suit derrière ou pas. J'espère que ça accroche en tout cas. Steph Clément, traverse le peloton gros. Traverse le peloton gros. Et on est déjà à 5 km, on est déjà à 5 km hein. Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. Kaiser prend ton ravito, Steph Clément prend ton ravito, Primoz Roglic prend ton ravito gros. Vas-y Kaiser, tu vas t'arrêter. Hop Kaiser, tu vas t'arrêter, ça sert à rien. Et Steph Clément, tu vas rouler à fond gars. Jusqu'à quelques kilomètres de l'arrivée là. Et là ça roule très fort hein. Ça roule très 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 fort. Allez Primoz Roglic qui va passer. Ah merde, j'ai pas donné son victoire à Bataglin. Tu t'arrêtes Steph. Hop hop hop. Non, qu'est-ce que je fais. Ah merde, il s'est arrêté, fait chier. Allez, tu vas l'amener jusqu'au sprint, Primoz, et c'est parti. C'est parti, il a bien amené. Très vite maintenant. Mais ça sera trop dur pour aller chercher une victoire, on va encore aller chercher une place d'honneur, et c'est la victoire d'André Greipel. Victoire d'André Greipel. Devant Caleb Ewan, Elivigny, Fernando Gaviria, Arendt, Modolo, Nizzolo, Bataglin, Christophe pour Sef. Ok, on a un deuxième top 20, un deuxième courant dans le top 20 avec Primoz Roglic, voilà. Voilà un peu, ça arrive dans tous les sens, mais finalement cette étape a bien été. On va attendre les retardataires qui semblent nombreux sur cette course difficile. Je pensais pas que ça allait arriver au sprint comme ça, mais finalement si. Ok, bon, pas super. Pas super non plus cette 8ème place, mais bon. Et voici maintenant les instants clés de la course. Ouais, Greipel est facile. Greipel est très très facile. Oh, même à la fin, il y a le temps. On y a le temps largement de lever les bras. Hop, hop, hop. André Greipel. Ok, victoire d'André Greipel. Ça, c'était prévu. Il a encore son maillot. Voilà. Tranquillement, il a son maillot. Hop, hop, hop. Saint-Valentin, est-ce qu'il a conforté aujourd'hui? Ok, Fernando Gaviria. Ok. Hop, hop, hop. Hop, tranquillement. Qui pouvait battre Greipel? Personne. Personne, donc voilà, c'est fini pour cette étape, les gars. Tranquillement, j'espère qu'elle vous aura plu. Un peu moins de spectacle que dans l'étape d'hier, mais c'est pas grave. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça fait toujours extrêmement, extrêmement, extrêmement plaisir. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Bye bye.